contre Sénégal. Et de la réclame avant de refermer ce journal, la haute couture sénégalaise présentée au K-Hôtel au cours d'une cérémonie baptisée Georgie Fashion Show. Les amoureux de la mode se sont baladés à travers la richesse des modèles présentés ce soir-là. Regardez. De la très haute couture sénégalaise présentée au Cameroun, nous sommes au K-Hôtel à Douala. La cérémonie Georgie Fashion Show de Tiané Diagne régale les amoureux de la mode. Ce soir, trois collections sont mises en exergue. La première collection, c'était une collection de tenues de ville. J'ai créé une nouvelle ligne de vêtements qui s'appelle Gandioli. C'est le nom du village natal de mon papa. J'ai juste ajouté un i pour faire fashion. C'est-à-dire que c'est le Gandioli. Ça se trouve à Saint-Louis. J'ai donné le nom pour rendre hommage à mes ancêtres. Deuxième collection, c'est retour dans nos sources. C'est-à-dire nos perles, elles sont magnifiques. Nos boubous, nos brodeurs font du bon travail. C'est ça la diversité culturelle à travers toute l'Afrique. Et après, on s'est envolé vers une troisième collection avec de belles coupes en soie, des matières qu'on voit dans tous les défilés haute couture à travers le monde entier. On les utilise nous aussi. On en fait des boubous revisités, pas coupés à la traditionnelle. On y apporte une touche de modernité et c'est tout à fait normal parce que le monde y bouge. Des collections sobres, chic et glamour pour des dames de valeur, chacun doit s'habiller à sa guise. On peut porter tout ce qu'on veut, on reste élégant, on porte toutes les matières n'ont pas de frontières. C'est nous qui créons des frontières, les matières n'ont pas de frontières. On porte ce qu'on veut. Et on les crée chez nous. Cet événement culturel organisé avec l'appui du K-Hôtel et la bière K44 de l'Union Camerounaise des Brasseries marque les préludes de la célébration des 50 ans du groupe Kadji Defoto. Buffet, boisson, confort, tout est fait avec minutie à l'image de ce grand groupe pour le bonheur des participants. Je serais désolée si je venais dans ce beau pays qui est le Cameroun.